Okay, let's go. Thank So we you. think we are all together in the Gompa together. Imagine the Buddha's just come in and we've all done our prostrations. I've done my prostrations, whatever. And then we're going to think about and talk about and analyze and listen to Buddha's views about the universe and why. There's only one reason. So we can take some tools from it because it's advice so that we can become a better person, stop being so ridiculous, stop harming ourselves and stop harming others so we can help them. That's it, bottom line, all the way to Buddhahood. That's the reason. So Donc, on imagine qu'on est tous réunis là, donc on a tous fait nos prosternations, etc., y compris moi-même. Et puis, pourquoi est-ce que nous sommes ici ensemble? Eh bien, nous sommes ici et pour écouter les enseignements du Bouddha, les contempler, voir s'il y a là des outils qui peuvent nous aider à devenir une personne un peu moins ridicule, une meilleure personne, et afin et de pouvoir voir s'il y a quelque chose que nous pouvons utiliser dans notre vie et de ces enseignements. all the way to Buddhahood. Et donc ça, tout le chemin jusqu'à la bouddhéité. That's it. C'est And tout. I always say, if there's even 1% of what makes sense, fantastic. Put it into practice. Et je dis toujours que même s'il n'y a que 1% de tout ce qui va être dit qui a du sens pour vous, eh ben, c'est suffisant, mais mettez-le en pratique, ce 1%. So, I can't remember what we talked about last week, but I know the topic. Bon, je ne me Because souviens pas exactement de ce dont on a parlé la semaine dernière, mais je connais le titre, le sujet qu'on a choisi. No, I think I remember now. I think there's two main ways of hearing that point. If you want to help others, practice compassion. Want to help yourself? Practice compassion. There's two main approaches. There's two things we discussed. Donc, je crois que je me souviens maintenant, en fait. Et il y a deux façons principales, il y a deux choses dont on a discuté. Donc, le sujet, c'est si vous voulez aider les autres, pratiquez la compassion. Si vous voulez vous aider vous-même, pratiquez la compassion. Et donc, il y a deux façons ou deux angles principaux pour aborder ce sujet. The first one is, from the Buddhist perspective of the packaging of all of Buddha's teachings, the compassion teachings are more advanced. They're the most advanced level. Donc, la première approche, et c'est si on considère l'ensemble du package, entre guillemets, des enseignements du Bouddha, eh bien, les enseignements sur la compassion, ce sont les enseignements les plus avancés. Many of us, like the Buddhist teachings or like spiritual teachings because it's about helping others, and that really appeals to us. People with big hearts want to become more compassionate, want to help others, Et beaucoup d'entre nous, et on se sent attiré par les enseignements du Bouddha, parce que justement, eh bien, on veut aider les autres, et donc on nous parle d'aider les autres, et ça nous attire, ça nous accroche. So then we start listening to Buddha's teachings. Et puis ensuite, donc, on commence à écouter des enseignements bouddhistes. We hear the first Buddha's, the very first teaching Buddha gave about the Four Noble Truths. Et on entend le premier enseignement que Bouddha a donné, donc c'est les quatre nobles vérités. And it's all framed in terms of suffering, isn't it? Et puis tout ça, eh ben, c'est dans le cadre, dans le contexte en fait de la souffrance, n'est-ce pas? And we read about the first kind of suffering. Et donc on va lire à propos du premier type de souffrance. Which is when all the bad things happen. Donc premier type de souffrance, eh ben, c'est quand les choses mauvaises nous arrivent à nous. And we look at the world and we go, oh my God, look at all the suffering out there. I must have compassion. I must have compassion. Et puis, on regarde le monde et on se dit, oh, mais mon Dieu, voyez toute la souffrance qu'il y a là-bas, à l'extérieur. Il faut absolument que j'aie de la compassion, que je ressente de la compassion. And then we wonder why we get angry or depressed when we see how bad it is. Et puis, bah, ensuite, pas surprenant qu'on se retrouve en colère ou déprimé quand on va voir et le niveau de souffrance qu'il y a dans le monde. So, compassion is limited. Donc, cette compassion-là est limitée. And as His Holiness says, compassion is the point, but compassion is not enough. You've got to have wisdom first. Et comme le dit Sa Sainteté, la compassion, ben, c'est l'idée, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut d'abord avoir la sagesse. So what's that mean? I mean, that sounds a bit noble, wisdom. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et je suis d'accord que ça sonne plutôt noble quand on parle de sagesse. Ça sonne très noble. Well, means we've got to start first looking at ourselves. Mais ça veut dire que d'abord, eh bien, il nous faut le considérer pour nous-mêmes. So when he's talking about suffering, he's not talking to someone else, he's talking to you. Parce que quand il parle de la souffrance, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, hein, il vous parle à vous.
That's just the first noble truth. Et ça, ce n'est encore que la première noble vérité. And the suffering of the bad things happening is just the first kind of suffering, because there's three levels, just the first one. Et la souffrance de quand les mauvaises choses nous arrivent, bah, ce n'est encore que le premier type de souffrance. Hein. On n'a pas encore parlé des autres de types. So we've got to start looking at ourselves in our life. Have I had bad things happen? Et donc, il nous faut bah, déjà regarder nous-mêmes dans nos vies et quelles sont les mauvaises choses qui nous arrivent à nous, à moi. Yeah, my mother was mean to me. Oui, ma mère a été dure avec moi. My boyfriend cheated on me. Mon petit ami m'a trompé. I get sick. Je tombe malade. But when we look in the world, we see all the terrible suffering, much worse than ours. Mais quand on regarde maintenant le monde à l'extérieur, eh bien, on voit des tas de souffrances bien pires que les souffrances que j'ai eues moi. We feel guilty about looking at our own suffering. Et à ce moment-là, on se sent coupable et de regarder notre propre souffrance. Well, no, I'm not suffering. Anyway, it's selfish looking at my own suffering. I've got to help others. Et à ce moment-là, on va se dire, non, mais je ne peux pas dire vraiment que je souffre. Ce serait égoïste de considérer ma propre souffrance. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aide les autres. There's a truth there. You know, some people are suffering much worse than us. There's no question. Et il y a une certaine vérité là. Et c'est vrai que certaines personnes ont des souffrances beaucoup plus grandes que les miennes. Et ça, ce n'est pas mis en doute. But the crucial piece we're missing, and this is the commonest mistake we make in our modern culture in the West, you know, the commonest mistake we make, the crucial piece is to go to the second noble truth and look at Buddha's view of why there is suffering. Mais le point crucial qui manque, et c'est pour ça que et en Occident, on ne percute pas, hein, et c'est qu'ensuite, il nous faut passer à la seconde noble vérité et à considérer la question suivante, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance? We know the words, if we're Buddhists, we've studied it, heard it, we can say the words karma and delusions, oh yeah, karma and delusions, that's why we're all suffering. Et donc, évidemment, si nous sommes bouddhistes, nous connaissons les mots, nous allons dire, ah oui, j'ai bien entendu ça, et la cause, eh ben, ce sont le karma, les délusions, les perturbations mentales, donc d'accord, yeah. C'est ça la cause de la souffrance. And we were studying discovering Buddhism and passed our exam. Donc disons qu'on a étudié, par exemple, le programme découverte du bouddhisme, qu'on a réussi notre examen. De fin. Maybe we studied the 5-year basic program and passed those exams. Ou peut-être que on a étudié les 5 ans ou les 7 ans du PEBA et que on a passé le diplôme de fin. Maybe we passed the seven, maybe we've done the 7-year master's program and passed those exams and done a year's retreat. Ou peut-être qu'on a fait le master's program en 7 ans et qu'on a passé les examens de fin et qu'on a même fait l'année de retraite qui suit. Maybe we've taken tantric initiations and done a 3-year retreat. No, maybe a 3-month retreat. Et ou peut-être qu'on a pris des initiations tantriques et qu'on a fait la retraite de 3 ans ou peut-être seulement une retraite de 3 mois. Maybe you've been practicing for 30 years. Peut-être que ça fait 30 ans qu'on pratique. And then someone in your Buddhist center criticizes you. Et puis, tout d'un coup, et un jour, et ben, vous êtes dans votre centre bouddhiste et puis quelqu'un... Get angry. Et se met en colère contre vous. How dare they criticize me? Non, et vous mettez en colère, donc la personne vous critique, vous mettez How en dare colère. They go around harming other people? Comment ose-t-il me critiquer et comment ose-t-il faire du mal à d'autres? We all collapse into a heap of stupidity. Et donc, tout ce que vous avez étudié, tout ça va s'écrouler et n'être plus qu'un tas de stupidité. Because we have forgotten the second noble truth. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la seconde noble vérité. So first you've got to recognize there's a problem. Donc d'abord, et il vous faut reconnaître qu'il y a un problème. In the world, it's like normal. You've got to first locate the problem. Dans le monde, et ça c'est un raisonnement normal. D'abord, eh bien, il nous faut déterminer où est le problème. So in this case, your boyfriend was mean to you. Donc, disons que dans notre cas, eh bien, c'est mon petit ami qui a été méchant avec moi. That's the suffering of suffering. Donc ça, c'est la souffrance de la souffrance. So I've got to say to myself, I wonder why this happened. Et donc, je dois me dire à moi-même alors, mais je me demande pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, ça? Quelle est la cause? No, we forget that. We forget that. We don't even ask that question. We don't even ask that question. Mais on oublie ça. On se pose même pas la question, en fait. On oublie. We then hear Lama Zopa talk about bodhicitta and compassion. Et ensuite, on va entendre Lama Zopa parler de bodhicitta, de compassion. So we try to have compassion for the boyfriend. Et là, on va essayer de ressentir de la compassion pour le petit ami. That's university. Mais ça, c'est le niveau de l'université. Miss Junior School.
Et vous n'avez pas fait le niveau école primaire. We haven't asked the question, why am I suffering? Et on ne sait pas, je ne me suis pas posé la question, pourquoi est-ce que je souffre? Why did this bad thing happen to me? Pourquoi est-ce que ces choses terribles me sont arrivées à moi? So we've located the problem. Donc, on a bien déterminé où est situé le problème. I'm suffering. Je souffre. The first kind of suffering. Premier type de souffrance. The bad thing's happening. Donc, les mauvaises choses qui m'arrivent. My boyfriend harmed me. Le petit ami qui me fait du mal. Boss fired me. Mon chef qui me vire. You know, my Dharma friend in the Dharma Center criticized me. Et mes amis du Dharma dans mon centre du Dharma qui me critiquent. I got cancer. Ou j'ai un cancer. Whatever. Quoi que ce soit. We first locate the problem. D'abord, et voir où se situe le problème. Now, we all know we don't like problems. Nous savons tous que nous n'aimons pas les problèmes. And we wish we could get rid of the problem. Et on souhaite arriver à s'en débarrasser des problèmes. But it is logical. Mais il est logique alors But first, you establish the problem. que d'abord vous établissez quel est le problème. You cannot move one millimeter forward until you locate the causes of the problem. Mais vous ne pourrez pas avancer d'un pouce tant que vous n'aurez pas et déterminé quelles sont les causes du problème. Once you know the causes, Et une fois que vous connaissez les causes, that tells you the solution. eh bien, ça va vous donner la solution. That's a piece we miss. Et ça, c'est le bout qu'on manque, c'est le morceau qu'on manque. You know, we rush off to the bodhisattva path. Et on se précipite vers le chemin du bodhisattva. We don't, and we know the words. I'm suffering because of my karma and my delusions. We know the words, but we haven't done the work. On connaît les mots, je souffre à cause du karma et des délusions, des perturbations mentales. On connaît bien les mots, mais on n'a pas fait le travail. So this is junior school. Donc ça, c'est encore que le niveau de, seulement le niveau de l'école But primaire. it is unbelievably hard. Mais c'est incroyablement dur. So why was my Dharma friend mean to me? Donc pourquoi est-ce que mes amis du Dharma ont été méchants avec moi? Because as far as I'm concerned, there's one cause of my suffering. It's the boyfriend, it's the Dharma friend, it's the boss, it's the whatever it is. Parce That's que ego's view that we run to immediately. en ce qui me concerne, et c'est la vue de l'ego vers laquelle on se précipite immédiatement, et il n'y a qu'une cause à ma souffrance, c'est mon petit ami ou mon chef ou mes amis du Dharma. The universe thinks this. Et l'univers entier pense cela. Monkeys and dogs behave the same way. Les singes et les chiens se comportent de la même façon. This is the view of the samsaric philosophy. Ça, c'est la vue de la philosophie samsarique. We are all samsarists. That's our philosophy. Nous sommes tous des samsaristes, et c'est ça notre We've philosophie. been practicing samsarism for eons, Buddha says. Et ça fait des éons que nous pratiquons le samsara, comme nous dit le Bouddha. We have perfected that view. Nous avons amené à la perfection cette vue. We have perfected that philosophy. Nous avons amené à la perfection cette It philosophie. comes immediately. That's the moment a bad thing happens. It comes immediately. That view comes immediately. How dare he do that to me? I don't deserve it. It is not fair. How dare he do that to me? This is natural, normal. Join the universe here. Cette vue survient immédiatement dès la seconde où quelque chose de mauvais nous survient. Et donc, immédiatement cette vue survient. Comment ose-t-il me faire cela? Et ce n'est pas juste, je ne l'ai pas mérité. C'est la vue qui nous vient immédiatement, spontanément. And we rush off to university trying to apply those techniques. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que, et on va se précipiter à l'université pour essayer d'appliquer les techniques qui sont enseignées au niveau de l'université. You know, I mean, I happen to go to so many of our FPMT centers around the world, maybe 18, 90, I don't remember. Et donc, j'ai été enseigné dans 80 ou 90 des centres FPMT dans le monde. Nobody's any different. Et il y a différence nulle part, en fait. C'est partout pareil. We're all samsarists. Et nous sommes tous des samsaristes. Practicing for 30 years, passing the basic program, doing our tantric practices. Donc, ça fait 30 ans qu'on pratique, on a suivi les enseignements du Peba, on fait nos pratiques tantriques. We're not understanding the second noble truth. Mais on ne comprend pas la seconde noble vérité. It's junior school. Et ça, et c'est l'école primaire. Like in any body of knowledge.
comme dans n'importe quel corpus de connaissances. Botany, music, maths, you name it. La botanique, la musique, les mathématiques, et choisissez le corpus que vous voulez. You miss some crucial instructions and crucial explanations back in junior school. You have do not have a sound foundation to grow onto. There's no way you can properly practice university level. You haven't got a foundation. That's why it collapses. Et si vous avez raté une instruction cruciale et au niveau de l'école primaire, eh ben, vous n'avez pas la fondation nécessaire pour pouvoir bâtir en fait et parcourir le chemin, parce qu'il vous manque cette instruction cruciale depuis le début. And it's so hard. Mais c'est si dur. So why is that person harming me? Donc, pourquoi est-ce que cette personne me fait du mal? So the thing is, just to keep it in framework, keep it in the context. We never think of this. Keep it in the context. Keep it in framework here. Equally, when the person is kind to me and thanks me for doing something, this is also the same answer. It's the same answer, but we don't ever ask why the good things happen. We only ask why the bad things happen. Mais pour garder les choses et dans le contexte, dans le cadre général, il faut quand même ajouter quelque chose ici. C'est qu'il y a une autre question qui est parallèle, mais qu'on ne se pose jamais. C'est pourquoi est-ce que les bonnes choses m'arrivent? Et donc, en fait, c'est la même chose. So the Buddha's answer in the second noble truth, why do bad things happen? Parce que la réponse du Bouddha dans la seconde noble vérité, pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent? But equally, Buddha's answer to why the good things happen is the same answer. Mais et de la même manière, eh ben, sa réponse à pourquoi est-ce que les bonnes choses m'arrivent, ça va être la même réponse. Mais he's saying everything's cause and effect. Parce que le Bouddha dit tout est cause et effet. The answers lie in the logic of the natural law of cause and effect. Et la réponse repose en fait, eh bien, dans cette logique de la loi naturelle qu'est la cause et l'effet. If you understand why the flower is there. Donc, si vous comprenez pourquoi une fleur est là, you have to know and analyze the logic of the law of cause and effect of the law called botany, the natural law called botany. It's natural. Eh bien, il vous faut comprendre et analyser bien la logique qui sous-tend les lois de la botanique, cette loi naturelle et la loi de cause à effet qui est présente dans la botanique. You wouldn't be vague about it. You'd be precise, wouldn't you? Mais si vous parliez de botanique, eh ben vous ne pourriez pas vous permettre d'être vague. Il faudrait que vous soyez précis, n'est-ce pas? Same here. Ben c'est la même chose ici. The precision and clarity and depth of analysis we know we need to learn to make a cake or to have a garden or to work out mathematics is exactly what Buddha says we need to know in order to understand suffering and its causes. La précision et la clarté et dont nous avons besoin pour apprendre, pour réussir à faire un gâteau ou pour faire un jardin, eh ben c'est exactement du même niveau de précision et de clarté que nous avons besoin. Et c'est ce que nous dit le Bouddha si nous voulons eh bien, apprendre à propos de la souffrance et de ses causes. Until you're certain and clear about the logic of why there's a weed and why there's a flower, until you be certain about the various causes and conditions, you can't move forward, you can't act, you won't get a garden. Mais tant que nous ne serons pas clairs eh bien, sur la logique qui est la cause qui fait que ici il y a une mauvaise herbe et ici il y a une fleur, bah, nous ne pourrons pas avancer, nous ne serons pas capables et de cultiver un beau jardin. Il nous faut déjà comprendre cette cause. So let's just start with why the good things happen. That's a bit softer, and we never think of this one. We don't even ask the question, but let's answer it because the same answer is for the bad things. But it's good to hear about the nice things. And it's wonderful to hear about the nice things. Why was he so kind to me? Why did my boss give me a raise? Why was someone generous to me? Why did they even believe my words? We should answer that question, and we can answer the opposite: why do bad things happen? Mais donc, commençons d'abord, eh bien, par répondre à la question. Pourquoi est-ce que des bonnes choses m'arrivent? Pourquoi est-ce que telle personne a été bonne avec moi? Pourquoi est-ce que mon chef m'a donné une augmentation? Pourquoi est-ce que les gens sont gentils avec moi? Donc, répondons déjà à cette question, et puis alors on sera capable de la même manière de répondre à la question sur pourquoi les mauvaises choses m'arrivent. So, ego's view, samsaric view, the philosophy that we live in right now, which Buddha says is demented. Donc, la vue de l'ego et la vue samsariste et cette philosophie dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dont le Bouddha nous dit qu'elle est démente, insensée, is it, we're an innocent victim.
Donc c'est la vue et qui nous dit que nous sommes une victime innocente. I didn't ask to get born. Moi, j'ai pas demandé à naître. Bad things happen. Des mauvaises choses arrivent. Good things happen. De bonnes choses arrivent aussi. It's good luck and bad luck, isn't it? We think that, don't we? Mais c'est simplement, eh ben, de la chance ou de la malchance. C'est ainsi qu'on pense, n'est-ce pas? No, Buddha says, ridiculous. Mais non, nous dit le Bouddha, c'est ridicule de penser ainsi. There's logic to it. Il y a une logique derrière. Nothing happens without logic. Rien n'arrive qui ne soit logique. Nothing can be random. Rien ne peut être dû au hasard. So as he's concerned, the law of karma, a natural law, runs the universe. En ce qui concerne le Bouddha, la loi du karma, c'est simplement une loi naturelle qui régit l'univers. So in the way we think it's good luck that someone is kind to me, but we like it, so we hope they'll do more. Et donc, nous, parce que nous pensons que ah, ben, c'est de la chance, si quelqu'un m'aime bien, et c'est de la chance, et donc tout ce que nous allons, c'est espérer qu'on en ait encore plus de chance. But we love having nice things happen. Parce qu'on adore évidemment que les bonnes choses nous arrivent. I don't care why. Et peu m'importe la raison, hein, tant que ça m'arrive. Just do it again, please. S'il vous plaît, peu m'importe la cause, mais continuez à me donner de bonnes choses. But when the bad thing happens, Mais quand les mauvaises choses arrivent, mental breakdown, alors là, dépression nerveuse, panic attack. crise de panique. How dare that happen to me? Comment est-ce que ceci ose m'arriver à moi? How dare he do that to me? Comment ose-t-il me faire cela? And then we say, Et puis ensuite, on va dire, I don't deserve it. je ne le mérite pas. With the good things, I love it happening, and there's an assumption I do deserve it. Pour les bonnes choses, j'adore que ça m'arrive. Et puis, il y a ce présupposé, cet a priori que je l'ai mérité. We don't say that outright, we don't say that directly. Bon, on va pas dire ça directement, But we feel it. mais c'est ce que nous ressentons. And the proof that we assume we deserve good things. Et la preuve que nous avons cet a priori, ce présupposé que nous méritons d'avoir de bonnes choses qui nous arrivent, Is when we get the bad thing and we feel I don't deserve it. That's the logic to prove that we assume we do deserve the good things. ben, c'est que quand les mauvaises choses nous arrivent, alors à ce moment-là, nous allons avoir l'a priori que le présupposé que, mais je ne l'ai pas mérité. Hein. So in each of those cases, there's an assumption, isn't there, that someone else does it to me. Donc, dans ces deux affirmations, en fait, il y a un a priori, un présupposé que quelqu'un d'autre me l'a fait à moi. That good luck and bad luck happen to me. Que la chance et la malchance m'arrivent à moi. In each case, I'm like an innocent victim of those actions, aren't I? That's how we feel. Et dans chacun de ces cas, eh bien, je ne suis qu'une victime innocente de ce qui m'arrive. C'est le ressenti que nous en avons. Well, this is the unpacking we have to do of the assumptions that we have, that are the assumptions of ego, which Buddha is totally arguing with. Eh bien, c'est ça le déballage auquel il nous faut procéder hein, de toutes ces vues que nous avons et ces vues avec lesquelles le Bouddha débat. So for the Buddha, what is the answer to the second noble? What is the second noble truth? What are the causes of happiness and suffering? Donc, pour le Bouddha, eh bien, quelle est la réponse et quant à ce qui concerne la seconde noble vérité, quelles sont les causes du bonheur et de la souffrance? It lies in this natural law called the law of karma. Eh bien, ces causes reposent dans cette loi naturelle qu'on appelle la loi du karma. Who has observed this? Le Bouddha a observé cette loi. He hasn't made it up. Il ne l'a pas inventée, fabriquée. Not revelation from on high. Ce n'est pas une révélation qui soit venue du ciel. It's not speculation. Ce ne sont pas des spéculations. Observed it. Il l'a observé. With his own mind at a subtle level, which of course is what Buddha asserts we all can do. We've got these subtle levels of mind that we can use to see the universe, to see the natural laws of the universe, and one of which the fundamental one for the Buddha that runs the universe is called the law of cause and effect, the law of karma. Avec eh bien, son propre esprit hein, et à un niveau subtil hein, et qui sorry Robin, I got lost with this one. Yeah, me too. This is na it's the natural law.
Okay, Buddha is this person who's got a mind, who's perfected his own mind. A person is a Buddha. A person who is a Buddha has perfected their own mind, removed all delusions and developed all the wisdom and goodness. Donc, une personne qui est un Bouddha a amené à la perfection son propre esprit. Donc, s'est débarrassé complètement de toutes les désillusions, les perturbations mentales et a amené à la perfection toutes les qualités. So we've got these far, far subtler levels of cognition, he says, not just the brain, not just the conceptuality, not just sensory. That's all we posit in our world, isn't it? Et donc, le Bouddha, eh bien, à ces niveaux est beaucoup plus subtil d'esprit, pas simplement et la conception sensorielle ou pas simplement la conceptualité, hein, et mais des niveaux beaucoup plus subtils que ceux dont on affirme l'existence dans notre monde occidental. And this meditation technique known as calm abiding or shamatha, or we can call it single point of concentration, which the Indians before the Buddha, 3,000 years ago, created, invented, discovered, perfected. Et ces techniques de méditation qu'on connaît sous le nom de shamatha ou calme mental et qui en fait ont été et amenées à la perfection par ces Indiens avant même le Bouddha. Sometimes called single point of concentration. Donc parfois on parle de concentration centrée en un point. With this technique, we can access subtler levels of our minds. Et bien avec ces techniques, on peut accéder à des niveaux beaucoup plus profonds de notre esprit. Subtler levels of cognition. Et on peut accéder à des niveaux beaucoup plus subtils de cognition. And this subtler level of cognition just naturally can cognize phenomena that are subtler, that the grosser level can't cognize. Et ces niveaux plus subtils de cognition, eh bien, simplement naturellement, peuvent connaître et des niveaux plus subtils et de phénomènes qui ne peuvent être connus en fait qu'à ces niveaux subtils d'esprit. Like the past, the future, the minds of others. Choses telles que le passé, le futur, l'esprit des autres. This is absolutely fundamental to the entire view of Buddhism and the world, the view of the world and how it works. Et donc ça, c'est absolument fondamental de comprendre cela quant à eh bien, la vue bouddhiste du monde et de la manière dont le monde fonctionne. Et il est dit qu'à ce niveau-là, eh bien, on peut se prouver à soi-même ces choses qui ont été énoncées par le Bouddha. So this natural law of cause and effect, which works at an extremely subtle level, he says eventually we can cognize the truth of it, we can cognize the workings of it. This is our potential. Et donc, cette loi naturelle de la cause et l'effet, eh bien, le Bouddha nous dit qu'à ces niveaux plus subtils de conscience, eh bien, on pourra en reconnaître, en découvrir la vérité et en connaître tous les mécanismes. So we know very well, if we want to sort of point out an experience or an event or a thing or something, there are many, many, in ordinary world, there are many, many causes and conditions that have to come together to produce that thing, that event, whatever. It's logical. Que nous savons très bien que si nous voulons connaître un individu ou une personne, un phénomène ou quoi que ce soit, en fait, eh bien, il y a d'innombrables choses et que nous allons devoir connaître et qui, en fait, ont contribué à la survenue de ce phénomène ou de cet événement. But like in anything too, we can narrow it down to some fundamental causes, main causes, central causes. Mais comme pour toute autre chose, eh bien, on peut et résumer, en fait, réduire et les causes à quelques causes qui sont centrales, principales ou essentielles. So Buddha's view is that every millisecond of what any of us ever think and do and say, none of it goes astray. Dans la vue bouddhiste, c'est que rien de ce que nous faisons, disons ou pensons ne se perd. Everything gets programmed in our mind. Et tout, en fait, va comme programmer notre esprit. Everything we think and do and say sow seeds, just naturally. Tout ce que nous faisons, disons et pensons et sème des graines, simplement naturellement. And just naturally seeds bring fruits in the et future. Et simplement naturellement, ben, les graines vont porter des fruits. So on the one side, anything that any sentient being, dog, monkey, human, ant, anything that any sentient being experiences this moment, each moment, is the fruit of previous seeds planted in that mind before. Donc, d'un côté, eh bien, on va dire que quoi que ce soit et dont nous faisons l'expérience, et nous, ou les singes, ou les chiens, ou qui que ce soit, quel qu'être ce soit, et quoi que ce soit dont il fait l'expérience, est le fruit de graines que cet être a plantées dans sa conscience et dans le passé. Just naturally. Simplement naturellement. This is not punishment and reward. That's a silly idea in Buddhism.
Et là, il ne s'agit pas de punition et de récompense, hein. Ça, c'est une argumentation délirante pour le bouddhisme. There's no punishment and there's no reward in Buddhism. Il n'y a personne qui punisse ou qui récompense dans le bouddhisme. It's just a natural law. C'est simplement une loi naturelle. So, let's go to one le next level of detail Et donc, about maintenant, the passons au niveau et suivant de détail. If we look into our lives, we can divide from the time, since the time we're conceived up to now, or the time we can remember up to now, we can divide all our experiences into two categories. Tout au long de notre vie, de cette vie, eh bien, toutes les expériences que nous avons eues peuvent être divisées en deux catégories. So simple, it's embarrassing. C'est si simple que c'en est embarrassant. Happiness and suffering. Bonheur et souffrance. It's clear, isn't it, in your life? C'est clair, n'est-ce pas, dans vos We vies. love the happy ones and we hate the suffering ones. Of Et course. nous adorons les expériences heureuses et nous détestons les expériences malheureuses. And then our wrong philosophy assumes that we deserve the good and don't deserve the bad. Et puis, notre philosophie erronée, eh bien, va ensuite affirmer que nous méritons ces expériences heureuses et nous ne méritons pas ces expériences malheureuses. Because there's no way in the universe with our current philosophical view in the world that we think that what we have done and said in the past has got anything to do with what I'm experiencing now. That's a brand new idea to us. Parce que dans notre vue philosophique, eh bien, il n'y a absolument rien qui ne dise que tout ce dont nous faisons l'expérience puisse avoir quoi que ce soit à voir avec ce que nous avons fait dans le passé. So every moment that we call suffering. Every what, sorry? Moment that we call Ben, suffering, et donc, that we tout label suffering. moment que nous allons appeler souffrance, hein, That's the fruit of the seeds we've planted. eh ben, ça, c'est le fruit de graines que nous avons plantées. But what kind of seeds? Mais quel type de graines? In the same way we can divide all the experiences into happy and suffering, we can divide all the causes into negative and positive. It's a very simple analysis. It's like almost embarrassingly simple. Ben, de la même façon que nous avons divisé les expériences en expériences heureuses et malheureuses, ben, on peut et catégoriser les causes et en termes de causes négatives et de causes positives. C'est si simple de la même manière que c'en est embarrassant. So in this life, there are in general four ways that karma ripens. In general, Donc, four tracks of karma. en général, et il y a quatre façons dont le karma va pouvoir mûrir. Il y a quatre, on va dire, pistes de karma. One is the type of rebirth we've got. Donc, première façon est le type de renaissance. The next one is the tendencies in our mind, our tendencies, our habits, our tendencies, our mental tendencies, our habits. Second Donc, one. seconde façon dont le karma va pouvoir mûrir, les tendances dans notre propre esprit, notre personnalité, nos tendances. Third is our experiences. La troisième façon dont le karma va mûrir, nos expériences. We're very social beings, aren't we? Et nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? Since we can remember. Sorry. Since we can remember. Et donc, depuis le plus tôt que nous puissions nous We've souvenir, either had people and animals and creatures be nice to us or mean to us. Look at eh it. bien, tous les êtres qui nous ont entourés, que ce soit les gens, les animaux, etc., soit ils ont été bons avec nous, soit ils ont été And then méchants. the fourth way the karma ripens, Quatrième façon dont le karma a mûri, environmentally, c'est mentalement. we can see that the environment, since we're born, since we can remember, either is impacts upon us nicely or not nicely. We can see that. Pardon, c'est pas mentalement, c'est de manière le karma environnemental. Donc nous pouvons voir et que l'environnement va avoir un impact soit bon, soit mauvais sur nous. So in terms of our experiences of suffering, Donc en termes d'expérience. we can say mostly they're at the hands of others or the physical world impacting upon us. Look at COVID-19 now, you know. Donc, en ce qui concerne les expériences de souffrance que nous pouvons avoir, ben, nous pouvons facilement nous rendre compte que soit c'est les autres qui nous les infligent, soit c'est l'environnement qui nous les inflige. Regardez, par exemple, le Covid-19 aujourd'hui. So the causes of those suffering experiences at the hands of others or the environment harming us, the causes of those, guess what, the two main causes, guess what, are inside me. Eh bien, devinez quoi? Les causes de ces deux expériences principales de souffrance que nous pouvons vivre, que ce soit aux mains des autres ou infligées par l'environnement, eh bien, devinez d'où elles viennent, ces causes. Eh bien, en fait, elles sont à l'intérieur de moi. That's the shock to us. Et ça, c'est le choc, un choc pour nous.
It's not a complicated idea. C'est pas une idée compliquée. But it's shocking to us because we don't believe it. We don't think that. We think the opposite. We think I'm an innocent victim. How dare that person in my Dharma center be mean to me? How dare that food harm me? What did I do to deserve it? Nothing. That's how we all think. That's why we, this is why we suffer. The assumptions are why we suffer. Mais pour nous, ce n'est pas une idée logique et c'est cet a priori qui va être en fait la cause de notre souffrance. C'est que nous, immédiatement, nous allons nous dire « Mais comment est-ce que ça peut m'arriver ? Ce n'est pas juste, je ne l'ai pas mérité, je suis cette victime innocente. Pourquoi cette personne, cet ami du Dharma dans le centre de Dharma peut être méchant avec moi ?» So every time your Dharma friend is kind to you, donc, à chaque fois qu'un ami du Dharma va être bon avec vous, we don't say, why do good things happen to me? What have I done to deserve it? Dans ces cas-là, et on ne se pose jamais la question, ah, mais pourquoi est-ce que ces bonnes choses m'arrivent à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? I don't care why, just I want more, please. Et en fait, peu m'importe quelle en est la raison, quelle en est la cause, le pourquoi. Simplement, donnez-moi plus, j'en veux encore. So Buddha's explanation for why good things happen and bad things happen. Donc, l'explication du Bouddha quant à la raison pour laquelle les bonnes choses arrivent ou les mauvaises choses arrivent. We have a mind, not physical. It doesn't come from mommy or daddy or God. Une conscience qui n'est pas physique. It doesn't come from mommy or daddy or God. Qui ne vient pas de maman, papa ou Dieu. It comes from previous moments of itself. It's a continuity of mental moments that go back and back and back and back and back. Qui vient de moments précédents et d'elle-même. Donc cette conscience vient de moments précédents d'elle-même et qu'on peut, c'est une continuité de moments mentaux qu'on peut retracer vers l'arrière encore et encore. Of course, we can't see that yet because we haven't got wisdom, we haven't got calm abiding, we haven't got single point of concentration, we don't have any clairvoyance. So we have to take it as our working hypothesis, don't we, if we're trying to be serious Buddhists? Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas encore voir cela de nos yeux et parce que ben, nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas la clairvoyance, nous n'avons pas la concentration centrée en un point. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre ça comme hypothèse de travail. So each moment you eat your meal and it nourishes you. À chaque instant et pendant que vous êtes en train de prendre votre repas, donc chaque bouchée va vous nourrir. The main cause of your getting healthy is not the food. The main cause is your past non-killing karma. That's environmental karma. The main cause is your past virtuous karma of non-killing. Mais la cause principale qui va faire que vous êtes en bonne santé, c'est pas la nourriture que vous êtes en train d'ingérer. La cause principale qui fait que vous êtes en bonne santé, eh bien, c'est votre karma du passé de ne pas avoir commis l'acte de tuer, etc. Every time the food makes you sick, or you know, the physical world, like now, even other human beings, it's kind of heavy karma. We've got even other human beings can be a condition that'll kill us, isn't it? With COVID-19, we can't even touch each other. So every time you get sick as a result of contact with someone else who's sick, that's the fruit of your past killing. Et de la même manière, eh bien, à chaque fois que vous êtes malade parce que vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas réussi ou et karma environnemental, et dans le cas, par exemple, et du COVID-19, hein, bah, ou simplement le fait de toucher un autre être humain et va contribuer à vous rendre malade et potentiellement à vous faire mourir, eh bien, là, la cause, en fait, c'est le fait que vous avez tué dans le passé. Every time your Dharma friend accuses you of doing something you didn't do. Et chaque fois que votre ami du Dharma vous accuse d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas commis, is the fruit of your accusing in the past. Et ben, c'est le fruit de l'action de l'avoir accusé lui dans le passé. And of lying if they don't believe you. Et d'avoir menti si lui ou elle ne vous croyait pas. There's not a millisecond of our experiences is the time of conception that doesn't work like this. This is the natural law, Buddha says. It's just the way it is, you know. Il n'y a pas une milliseconde de nos expériences depuis l'instant de notre naissance qui ne puisse être expliquée ainsi. C'est simplement une loi naturelle, nous dit le Bouddha. Every single time your Dharma friend is kind to you, that's because you've been kind in the past. Every time someone smiles at you, it's because you've been virtuous in the past. Every moment of every day, everything you could label, you could narrow them all if you did a proper track it like a chart. You can divide them into happy and unhappy experiences. Every one of them is the fruit of a seed you planted. If it's unhappy, it's the fruit of a negative seed. If it's happy, it's called the fruit of a positive seed. This is the natural law of karma.
Et donc, chaque fois qu'un ami du Dharma est bon avec vous, eh bien, c'est que vous avez été bon avec lui dans le passé. Chaque fois que et une bonne chose vous arrive, c'est que vous avez commis un acte vertueux dans le passé qui en est la cause. Et donc, on peut ainsi cartographier eh bien, toutes nos expériences et en cartographier les causes. Et causes positives, vertueuses, eh bien, expériences heureuses, et causes négatives, expériences malheureuses. So the two main causes of happiness and suffering. Donc, les deux principales causes de bonheur et de la souffrance, The first one is the seed you planted 27 lives ago, last life, whatever, that you put in your mind. It was virtuous. It was based on the second cause, which is a virtuous, which is a virtuous motivation. And if it's a suffering experience, it's due to a past seed you planted, driven by second cause, a delusion. et donc, quelle que soit l'expérience et donc que vous avez aujourd'hui, eh bien, si vous devez vous demander où en est la cause, c'est une graine et karmique que vous avez plantée dans votre conscience, peut-être il y a 27 vies ou peut-être la vie juste avant. Et donc, s'il s'agit d'une expérience heureuse, eh bien, c'était nécessairement une action et vertueuse et c'était nécessairement deuxième. Motivation. Motivé et motivé An action par. and motivation. An action and then a motivation. Donc en fait, il y a deux causes. Première cause, l'action. Et deuxième cause, la motivation qui était derrière l'action. Motivation qui, s'il s'agit d'une expérience heureuse, était nécessairement vertueuse. Même chose pour une expérience malheureuse. Eh bien, action est de faire du mal à quelqu'un d'autre avec motivation et motivation non vertueuse. Donc, c'est deux causes principales. There's like, laws. It's like this technical. It's technical, isn't it? To learn the law of botany, to learn the law of math, to learn the law of computers, to learn the law of cooking. It's technical. It's details. Et donc, et cette technique, hein, que vous souhaitiez apprendre les lois qui régissent la botanique ou les mathématiques, ben, ces techniques, ce sont des détails, donc il vous faut les apprendre. But we hear it as this kind of emotion, it's blame, I'm a bad person, you mean it's my fault. We're so emotional about it all. We kind of have mental breakdown hearing this. It's just unbearable for us. Mais nous entendons ça de manière tellement émotionnelle et immédiatement, et c'est comme si, y avait, une crise de nerfs, une dépression nerveuse. On ne supporte pas et d'entendre ça. Et pourquoi est-ce qu'on me blâme, etc., etc. And why is it so painful for us to hear this? Et pourquoi est-ce que c'est si douloureux pour nous d'entendre cela? Because we believe in another view. Eh bien, parce que nous croyons à une vue différente. And even though we've done no analysis of it, we believe it totally. Et même si nous n'avons procédé à aucune analyse quant à cette vue que nous avons et que laquelle nous croyons, eh bien, nous n'en avons fait aucune analyse. We believe I didn't ask to get born. Et nous croyons fermement, je n'ai pas demandé à naître. You say that in French, right? I didn't ask to get born. You say that in Oui, on French. dit ça en français, Yeah. oui, je n'ai pas demandé à I mean, naître. it's so real. We say it as a joke, but we mean it literally. Et donc, on va dire ça un peu comme une blague, mais en fait, et on le pense vraiment littéralement. It means that what I am has nothing to do with what I've done. I've been plonked on this planet by someone else. And they don't tell me the plan, and I'm supposed to sort it out. I mean, no wonder we're all crazy. If that's true, it's the maddest philosophy I've ever heard, and we believe it. Et ça veut dire en fait eh bien, que nous croyons fermement et que je n'ai rien à voir, que j'ai été là jeté sur cette terre et que je n'ai rien à voir, je ne sais pas quel est le plan, pourquoi est-ce que les choses m'arrivent ou ne m'arrivent pas, etc. C'est vraiment la philosophie la plus folle que j'ai jamais entendue de penser ainsi, mais c'est ce que nous croyons. Then second, the Et puis, delusions deuxième chose. in our mind, we have lots of virtuous states of mind, love, compassion, intelligence, kindness. Dans nos esprits, nous avons beaucoup d'états d'esprit vertueux, l'amour, la compassion, le souhait d'aider les autres. And we have lots of voices of ego. Et nous avons aussi beaucoup de voix de l'ego. Now the two main ones here, attachment and anger. Et deux voix principales ici, l'attachement et la colère. The assumption that attachment is at the depth of our being, the assumption that attachment is. Et l'a priori, le présupposé,
qu'est cet attachement, qui est derrière cet attachement? Is this emotional hunger, this desperate junkie, emotional hunger every second? C'est cette faim, cette soif émotionnelle comme un junkie à chaque seconde. That is frantic to get only the nice things. Qui veut frénétiquement uniquement les bonnes choses, It only can bear the nice things. qui ne supporte que les bonnes choses. It's frantic and manipulates to get only the nice things. Et donc, frénétiquement, et on va en arriver à manipuler pour n'avoir que les bonnes choses. And by definition, the nice things means what I want. Et par définition, bah, bonne chose, ça veut dire ce que moi, je veux. This runs us. Every millisecond of every sentient being's lives is run by this assumption. C'est ce qui nous régit chaque milliseconde de chaque vie, de chaque être, et eh bien, est mu par cet a priori, ce présupposé. This is the assumption of attachment. Et ce présupposé de l'attachement. So what happens when it doesn't get what it wants? Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut? Et ça arrive des milliers de fois par jour, hein, que l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. That's when the bad thing happens. Et ça, c'est le moment où les mauvaises choses nous arrivent. The thing that is not the nice thing. Ces choses qui ne sont pas les bonnes choses. The thing that I don't want. Les choses que moi, je ne veux pas. When someone does something that my attachment isn't happy with. Quand no, quelqu'un that someone does that doesn't fulfill my junkie's needs. Quand quelqu'un fait quelque chose et qui n'exauce pas et mes besoins de junkie, le manque que je ressens. So this attachment, it's multifaceted. I mean, you know, we can talk about it for an eon. Donc cet attachement est multifacette, on pourrait en parler pendant des éons. It manifests in a multitude of ways in our life. Et cet attachement se manifeste d'une multitude de façons dans nos vies. The obvious one is the objects of the senses. Et la manière la plus évidente, ce sont les objets des sens. Nice smell, nice taste, nice touch, nice this, the sensory objects, that's pretty clear. Donc, et les bonnes odeurs, les bons goûts, les bons contacts, etc. Donc, les objets des sens. The more pervasive level of it is attachment to being seen as a good person, being seen as a nice person, to being liked. As something as simple as that, the attachment to being liked and approved of. This is the deepest, most primordial one. Mais à un niveau plus profond et plus primordial, c'est cet attachement au fait d'être aimé, au fait d'être approuvé. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus profond et le plus primordial d'attachement. Yeah. Also more broadly, attachment to for things to be the way that I think they should be. That's a massive one. Ou également, de manière plus vaste, et bien, cet attachement est massif, énorme, et au fait que les choses devraient être comme je veux qu'elles soient. I mean, don't feel guilty about this. Je veux dire, ne vous sentez pas coupable. Hein. That's silly. C'est idiot, ça. It's counterproductive. Parce que c'est contre-productif. It should be a revelation to us to think, oh my God, is that why I suffer? I've never thought of that before. We should be so delighted to hear that someone's hit the nail on the head. Et ça devrait être comme une révélation pour nous, et nous devrions nous dire, oh mais mon Dieu, je n'avais jamais pensé que ça puisse être la cause jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme si nous nous réjouissions de finalement et quelqu'un a réussi à taper bien sur le clou avec le marteau. Because this little junkie in here is so hungry all the time. Mais parce qu'il y a ce petit junkie à l'intérieur là qui est si faim, soif à chaque instant. So relieved anytime any good thing happens, and that's what we call happiness. Any moment when attachment gets what it wants, it's like an enormous relief. Oh, thank God, at least one thing, and we grasp at the next one, and we grasp at the next one, hoping and crossing our fingers it'll come.
Et donc, il y a ce soulagement, et quand la bonne chose arrive, et qu'immédiatement on dit, oh, quel soulagement que ça me soit arrivé, mais immédiatement, et cette saisie, cet attachement, eh bien, quand est-ce que, et j'en veux encore, quand est-ce que l'instant suivant de cette bonne chose va m'arriver, encore et encore? And of course, it's a bottomless pit. Et bien sûr, c'est un puits sans fond. You get the nice thing. Donc, vous obtenez la bonne chose. It triggers a pleasant feeling. Ça déclenche une sensation agréable, It doesn't last. mais ça ne dure pas. Gotta get the thing again. It's Oui, kind et of donc, desperate. it's kind of. Desperate. Et donc, on veut de nouveau obtenir cette chose. Donc, c'est comme quelque chose de désespéré. So what happens when you don't get the nice thing, when attachment doesn't get what it wants, when attachment gets what it doesn't want, which is a thousand times a day? Mais qu'est-ce qui se passe quand l'attachement n'obtient pas la bonne chose, quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, quand il obtient ce qu'il ne veut pas? Et ça, toutes ces choses qui nous arrivent des milliers de fois par jour. Panic attack. Eh bien, crise de panique. It's called aversion, simple state of mind, aversion. Mais cet état d'esprit est en fait très simple, c'est ce qu'on appelle l'aversion. So every time something nice happens, Donc, à chaque fois que quelque chose de bien nous arrive, attachment goes, oh yes, give me more. l'attachement et va dire alors, oh oui, super, donnez-moi encore plus. You gotta go towards it. Et donc, on va aller comme vers l'objet. Whenever the bad thing happens, Et puis, à chaque fois que la mauvaise chose nous arrive, aversion arises. Oh no, and you go back from it. l'aversion survient et on va dire, oh non, et on va se reculer. And depending on your personality, S'en éloigner. Et là, et ça va dépendre de notre personnalité. it'll manifest in a very volatile way, that aversion. Donc cette aversion va soit se manifester d'une manière très volatile. That's called anger. Donc c'est ce qu'on appelle la colère. It's a strong aversion, that's all. La colère, c'est simplement une forte aversion, c'est tout. There's milder levels of it. Mais il y en a des niveaux plus légers, plus doux. Irritated. L'irritation. Annoyed, upset, frustrated, stressed, anxious, worried. They're all variations of thwarted attachment. L'énervement, l'irritation, le souci et le stress, tout ça, et ce sont des Worry, variations, panic, pardon, worry. par Right. la panique, le fait de se faire du souci, tout ça, ce sont des variations et d'attachement qui a été contrecarré. What was that last bit you said? Yes, thwarted attachment, variations of thwarted Okay, yes, attachment. that's right. So this is called attachment and anger. Donc c'est ça qu'on appelle l'attachement et la colère. Attachment is the response when we get the nice things. L'attachement, c'est la réponse quand on obtient les bonnes choses. And a pleasant feeling comes. Donc des sensations agréables surviennent. And we call it happiness. Et on va appeler ça bonheur. And when the attachment doesn't get what it wants, Et quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, aversion, anger, irritation, annoyance, or despair and depression, all the way internally. et l'aversion et la colère ou le désespoir ou la dépression, et ça va être une manifestation intérieure, eh bien That's tout called ça, suffering. elle va survenir. That's called suffering. Et c'est ce qu'on appelle la souffrance. This is Buddha's analysis. C'est ça l'analyse du Bouddha. Why do bad things happen? Et vous voulez savoir pourquoi les mauvaises choses arrivent? I must have done a negative action driven by a delusion. Why do good things happen? I must have done a virtuous action driven by a virtue. Guess what? Not complicated. You can all write it down. You can memorize it. It's so simple. Easier than learning to drive a car. There's more details in driving a car than this. Et vous voulez savoir eh bien, pourquoi une mauvaise chose vous est arrivée? Eh bien, c'est simple, la réponse, et vous avez commis une mauvaise action avec une motivation non vertueuse. Et vous voulez savoir pourquoi quelque chose, une expérience heureuse vous survient? Eh bien, la cause, et vous avez commis une bonne action avec une motivation vertueuse. Donc, c'est simple, facile à mémoriser, beaucoup plus facile que de conduire une voiture. We can't stand it, can we? Mais nous ne supportons pas cette idée, non? My point is, we all, like I said, you've done the master's program, the basic program, you've got your tantric things, you've done your retreats, but we've skipped over this bit. We've skipped over junior school, second courses, why is there suffering? We've skipped it over because we think, oh, I'm not suffering, everyone else is suffering, and we wonder why everything collapses.
Et, mais donc, comprenez bien et, ce que je veux faire passer là et dans tout ça. Et c'est que, eh bien, comme je le disais au début, et on a peut-être fait le PEBA, le Master's Programme, les initiations tantriques, etc. Mais qu'est-ce qu'on a raté en passant? Eh bien, on a raté cette deuxième noble vérité et la cause et du bonheur et de la souffrance. Et donc, eh ben, du coup, on ne peut pas y arriver. And then this, for yourself, causes you to have compassion for yourself. I am sick to death of suffering. I'm going to get rid of it. That has to come first. Then you can have compassion for others, and it'll never end. Your compassion will be vast and stable and profound. Et donc là, eh ben, la conclusion à laquelle on va en arriver est plutôt ce que j'ai raté de la phrase d'avant, et plutôt que de passer tout de suite à vouloir aider les autres, mais alors qu'on a manqué ce morceau essentiel et au début, hein, et eh bien là, on va pouvoir se dire, et avec cette compréhension de pourquoi est-ce que j'ai de la souffrance, et cette compréhension du pourquoi, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir vouloir aider les autres. Hein. The root delusion, the root of all even attachment and anger, is called ego grasping. Et la délusion racine et la racine de toutes les autres délusions, de la colère, de l'attachement, etc., eh bien, c'est ce qu'on appelle la saisie de l'ego. And this, its main function is to have caused us in the first place to have a sense of a separate, lonely, bereft, poor, self-pity me and me and separate. That's the source of all of this. This sense of a separate me who has nothing to do with my life, this innocent victim, that's the coming from ego grasping. Et donc, cette saisie de l'ego, eh bien, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire ce sens et d'un petit moi et d'un soi, et donc en ce qui me concerne, d'un moi et séparé et qui n'a rien à voir avec tout ce qui lui arrive, qui est là, ce pauvre petit malheureux. Et c'est ça que la saisie de l'ego va causer. It's about attempting to understand first theoretically and then practice experientially this natural law. Et donc, en tentant de comprendre d'abord de manière théorique et puis ensuite et de manière expérimentale, expérientielle, eh ben, cette loi naturelle, Begins to heal that sense of a separate, lonely self. Not fair, poor me, I didn't ask to get born. ben, faire cela, eh bien, ça va commencer à guérir ce sens d'un pauvre petit moi séparé de tout le reste. Understanding that you're the source of your happiness and you're the source of your suffering is an incredible view that does not exist on this planet. Comprendre Comes que vous, with effect. comprendre que vous-même, vous êtes la source de votre propre bonheur et de votre propre souffrance, c'est une vue incroyable qui n'existe pas sur cette planète. What was the last part? Slowly. Huh? It doesn't exist. There's no other, with respect, as far as I can see, and tell me if I'm wrong, Buddha's the only one who talks about this. You Et see parce it. que, et avec tout le respect pour toutes les autres de vues, mais il me semble que le bouddhisme est la seule voie qui enseigne cela. So living according to this view Et donc, brings, heals vivre. the pain, heals the separateness, and we start becoming accountable. We start to grow up. We start to get less victim, less pain, less attachment, less anger, less depression, less anxiety. That's a fact. Et vivre en accord avec cette vue, eh bien, ça va vous permettre et de petit à petit guérir ce sens d'un pauvre petit moi séparé du reste. Et petit à petit, eh bien, si vous vivez en accord avec cette vue, vous allez avoir moins d'attachement, moins de colère. Ça, c'est un fait. It brings compassion for yourself. Et ça va et vous permettre et de générer de la compassion pour vous-même. You know what suffering is, you can see it. Et vous savez ce qu'est la souffrance et vous pouvez la voir. You know the causes. Vous en connaissez la cause. Now you have a method to solve the problem. Et maintenant, eh bien, vous avez une méthode pour résoudre le problème. And now it's easy to have compassion for others, for everybody, the pedophiles and the monster, and you mean dharma friend. Et à ce stade, eh ben, ce sera facile de générer de la compassion pour tout le monde, pour tout le reste des êtres, et que ce soit et le pédophile ou le monstre ou votre méchant ami du Dharma. You better ask me some questions. Bon, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous me posiez des questions. No. Anything.
Peut-être, si vous voulez lever la main, que Alexis puisse vous donner la parole. And somebody I saw down there in the chat, Ken, doesn't have a microphone or a video. I hope you can hear me, Ken. And if you've got any questions, honey, you can write your notes down in the chat, okay? Donc, il y a quelqu'un qui n'avait pas de micro, mais qui peut, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire votre question dans le chat et puis Alexis la posera. A man called Ken. I saw his note. Ken, est-ce que vous aviez une question? Yes. So anything written down there, Alexis? Quelqu'un d'autre? Vina Robina, there's no question for the moment. Okay. Anybody wants to say something? Quelqu'un veut dire quelque chose? Thank you. Okay, it's a pleasure. Merci. Okay. Hein, c'est avec plaisir, dit la Vénérable. Anybody else? Quelqu'un? Yes, there is Di Belcher. Who? Di Belcher, can you open your mic? Yeah, somebody. Where are you, darling? That's Hello. Hi. Dee, okay, honey, talk to me, honey. Go. Talk. Hi. First of all, thank you so much for talking to us again. Always a joy. Okay. Let's Francois, by the way, just Dee, say mouthfuls and then Francois can translate. Oh. Little mouthfuls, then go back and talk. So sorry. First of all, don't be sorry. Thank you so much for talking to us again. It's a pleasure. Donc, merci de nous reparler de nouveau. C'est un plaisir. My question, or I guess what I'm hoping you can help me with, is how do we, or what is a good way to deal with feelings of low self-worth when you're isolated? I've just started a new job, but I'm learning remotely. I'm doing it on a computer in my house. I don't have contact with the other people I'm working with, and I'm doubting myself a lot. And I know that's ego talking, but how? Well, everyone's the same, darling. That's fine. Everyone's the same. That's okay. Yeah. Okay. Have you got any advice to get past that little stage of ego and feeling, oh, I'm quite, you know, that? Donc la question c'est à propos de la question est à propos de la mauvaise estime de soi, et dans le cas de Dee, en fait, elle vient de commencer un nouveau travail, elle travaille à distance, donc elle n'a pas de contact, elle n'a pas de retour, et elle doute beaucoup d'elle-même. Donc elle sait que ça, c'est une voie de l'ego, ce fait de douter d'elle-même, mais elle demande à la Vénérable Robina si elle aurait un conseil à lui donner. Et donc le premier début de réponse, c'était que mais on a tous cela. We've all got this, Dee. You know, join the universe. We're all the same. We recognize it. Donc, on a tous cela. On est tous pareils. Et donc, rejoins l'univers. Yeah, true. And of course, we all, and this is also, I pointed it out just briefly before. It's good to know these things sometimes. We've all got this attachment in us that doesn't have enough confidence to know that we're doing a good job until someone tells us we're doing a good job. But we've got to learn to know it ourselves, darling. So you've got to be very practical with yourself. Et ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas cette capacité de savoir que nous faisons un bon travail. Tant que quelqu'un d'autre ne nous l'a pas dit, nous ne sommes pas capables de nous le dire à nous-mêmes. Donc, nous devons apprendre à faire cela. It's going to be very practical. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. In other words, okay, just let me ask you some questions. It's a job involving a computer, right? It is. The job is in the UK. We're doing this for the pandemic, for the COVID-19 thing, track and trace. So we're going to be phoning people up who've been in contact with people with the virus. Okay. But wait, Dee. So listen, you have to pick up the phone and you have to call people and you have to ask questions, do you? Yes, then fill in all the details on the government website for the pandemic. La question pour savoir, c'était de savoir en quoi consistait exactement le travail. Donc, c'est un travail avec ordinateur et coup de téléphone à des gens pour leur poser des questions. C'est en lien avec la pandémie de COVID-19, hein, et le fait de leur poser des questions sur des choses qu'ils ont faites, pas faites, de remplir les détails, etc. So the first part of your job, talking to the people, is that part okay? You like doing that part? Donc, la première partie de ton travail est de parler aux gens. Est-ce que ça va? Est-ce que tu aimes bien faire cela? Tu es contente de toi? So, yeah. The second part, filling out the questions, right? That's the second part.
No, the That's second the part for me is because Keep I'm doing this remotely, nobody's telling me I'm doing it right or well, and it's getting past that ego block of needing to be told I'm doing okay, I understand your point, Dee. Thanks. Practical advice now. You have to simply follow the instructions. That's the answer. Follow the instructions. Do exactly what you're supposed to do. And you know that with anything, as you keep to doing it, you'll get better at it. So you need to check yourself if you're following the instructions. And if you're not, then you'll be in trouble. So simply follow the instructions. Calm yourself down. Go one step at a time. And then, and as you keep doing it, you will get better. That's the answer, baby. Be practical. Keep it on the earth. Et donc, la seconde partie, et c'était quant à, au fait de remplir des fiches, etc. Et donc, et bien, le conseil très pratique, c'était est-ce que tu suis les instructions qui te sont données ? Donc, simplement, il te faut suivre les instructions, c'est très simple. Et puis, et bien, tu vois bien si tu les suis ou pas, sinon, ben, tu es dans de sales draps si tu ne les suis pas. Et petit à petit, et bien, devenir de meilleur et encore meilleur. Et pour ce travail, c'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin. That's the answer. C'est ça la réponse. And sweetie, and keep going. Keep going. Don't I will. That's the answer, darling. But you've got to hear me practically. This is the answer to your question. So you do it, okay? So non, donc, pardon, the best answer donc, is... I'm not waiting for anybody to tell me I'm doing great. Just do it. No, just do it, but do it properly. And then have confidence at the end of the day and rejoice and go to bed with a happy mind to get up the next day and do it again. That's it, darling. Brilliant. Et donc, et le reste de la réponse, c'était eh ben, de continuer à le faire, de ne jamais abandonner et simplement eh bien, d'avoir cette confiance à la fin de la journée que tu as bien fait ton travail et d'aller te coucher avec l'esprit en paix et le lendemain matin de recommencer. Et c'est très pratique. Be brave. Sois brave. Thank you. Courageuse. And rejoice in your good qualities. We forget to do that. Rejoice. Et réjouis-toi et de tes bonnes qualités, parce qu'on oublie tous de faire cela, se réjouir de nos qualités. Thank you, darling. Any other questions, people? D'autres questions, les gens? I have a question. Yes, Anna. Talk to me, darling. You've been muted, Anna. Unmute yourself, sweetie. There you go. Talk to me. Hello. Hi, Rabina. Hello. Hi, sweetheart. Hello there. I've just got a question for you. How do you deal with, I don't know if you remember me or my situation, but how do you deal with constant groups and Dharma groups excluding you because of gossip, should we say? Donc, well, darling, it's a really tough one. I mean, yeah, go on. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, dit Anna, mais ma question, et c'est sur le fait de constamment être exclu de groupe du Dharma à cause de commérages. So the suffering you're talking about is what I was talking about before, isn't it? It's when people do unkind things to you. Is that correct, Anna? Donc, question, et la souffrance dont tu parles, et c'est la souffrance dont je parlais auparavant, quand les gens te font des choses et pas bonnes, méchantes, désagréables. Est-ce que c'est correct de dire ça? Anna? Yes. Okay. So, did you hear anything I said before about karma? Do you like the teachings about karma? Do you try to apply them? Because that's what I was trying to do before, is give the medicine for this. Because this is exactly, you're just a typical example of bad things happening. We all have one example or another. So, does all the teachings I said about karma the last hour have any impact upon you? Did you think, wow, that's interesting, I might try to apply that? Tell me. Donc, dis-moi, est-ce que les enseignements que j'ai donnés dans l'heure passée et à propos du karma, eh ben, est-ce que ça t'a touché? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu pourrais avoir envie d'en apprendre plus à ce propos, de les appliquer? To be honest, I did miss some of your teachings then. Had a visitor. Are you practicing honnête, en fait, j'ai manqué une partie de l'enseignement parce qu'il y a quelqu'un qui est entré. Okay. Well, that's what I talked about the first hour. Donc, c'est ça dont j'ai parlé pendant la première heure d'enseignement, en fait.
Do you identify with being a Buddhist? That's your practice, isn't it? Est-ce que tu te considères comme bouddhiste? Est-ce que c'est ta pratique? Yes, I still do. But I find myself slowly reducing my practices, to be honest. I do my refuge practice at the moment. Mm. I do a lot of calm and abiding meditation. I do a lot of yoga now. And I feel like I'm being led away from Buddhism, really. But that's up to you, isn't it? That's your personal thing to decide whether it's useful for you or not, you know? Yeah, I don't want to continuously be hurt or attacked as I was after I saw you last time in Liverpool. I understand, darling. I understand. It must not be easy. Just a second, Francois. Just a moment, please. Doesn't matter, yes. Francois. Please wait. Maybe, darling, what you should do is email me and we can have a talk about it. I think it's good to talk about it. Would you like to do that? Yes, that would be nice. Have you got my email address, darling? Yes, we've emailed before, You email me today and you tell me all about it and we can talk. It's best if we talk privately. All right, darling? Okay, thank you. You email me, sweetheart. Do not forget. I want to talk to you, okay? Okay, I will do. Thank you, sweetheart. Thank you, darling. You talk. La vénérable Romina, en fait, conseille à Anna de lui écrire un email privé et pour lui raconter en détail et qu'elle puisse l'aider, donc ce qu'elle fera après l'enseignement tout de suite. Ok, any other questions, people? Est-ce qu'il y a d'autres questions? It's intensely hard, it's intensely difficult, it's unbelievably the most difficult. We think we can do our 3-year tantric retreat and still not understand karma. It is profoundly hard, so we should be very humbling to show how hard real practice is. That's all, you know, that's the part. Be very humble. Donc sachez que c'est intensément difficile, c'était extrêmement difficile de comprendre le karma, d'arriver à intégrer cela. Il se pourrait que, on en soit déjà à faire notre retraite tantrique de 3 ans, mais qu'on n'ait pas encore compris ce point du karma. Donc, vraiment, c'est incroyablement difficile. Without the view of karma, the whole of Buddhism collapses into a heap of total superstitious nonsense. So we don't even understand it. Even theoretically, Buddhism makes no sense. Emptiness makes no sense without it. Compassion makes no sense without it. Rebirth makes no sense without it. We have to understand if we think we like to be Buddhists. That's up to us. No one's forcing us. Parce que sans cette vue du karma, en fait, tout le reste du bouddhisme s'écroule comme un tas de non-sens. Et parce que, si nous ne comprenons pas le karma, et on ne peut pas comprendre la compassion, on ne peut pas comprendre la vacuité. Et donc, il faut absolument arriver à comprendre cette idée du karma. L'idée de la renaissance n'a plus de sens non plus, etc., etc. And without question, it is the basis of valid compassion. Et sans aucun doute, le karma est ce qui va nous permettre d'avoir une compassion valide. In other words, when you see the world and you see people harming each other. En d'autres mots, quand vous voyez le monde et que vous voyez des gens qui se font du mal les uns aux autres. Or you see people being harmed, whichever group you look at. Ou vous voyez des gens à qui d'autres font du mal, quel que soit le groupe que vous considérez. The law of karma explains to you why it is happening. La loi du karma va vous expliquer pourquoi est-ce que ceci survient. So that's why I always use that example. Extreme examples are always good. Those young Tibetan nuns who were tortured and sexually abused in prison. At that meeting I talked about, I often mentioned in 2003 when I was running the prison project, we all met in New York. Richard Gere invited His Holiness and had teachings, and he invited 20 former prisoners, and they all talked about their suffering in prison. You know? Et c'est pourquoi j'aime toujours raconter, et c'est un exemple extrême, mais j'aime bien choisir celui-là, et donc je raconte toujours l'histoire de cette rencontre qui a eu lieu en 2003, et j'avais participé à l'organisation, c'était organisé par la fondation de Richard Gere, et où 20 prisonniers, anciens prisonniers, avaient été invités à parler de leur expérience en prison à Sa Sainteté le Dalai Lama, et où en fait ils avaient subi des tortures, des abus divers, etc. These two young Tibetan nuns. Donc, il y avait 2 jeunes moniales tibétaines qui étaient là. He had invited them to talk. Et donc, on les avait invités à parler.
And they had been sexually abused and tortured for a couple of years. Elles avaient été torturées et abusées sexuellement. Yeah. So of course, I think if you wanted to, I always say this, but if you wanted to quantify suffering, probably the other 20 prisoners probably could imagine that these two young women's was more than everyone else's. You could maybe argue that. Bon, bien sûr, si vous vouliez quantifier le degré de souffrance, eh bien, on pourrait débattre sur le fait que probablement, et tous les autres prisonniers qui étaient là et ne pouvaient même pas imaginer le niveau de souffrance qu'avaient subi ces démoniales. It was clear they weren't angry. Et il était clair qu'elles n'étaient pas en colère. We don't trust that in our culture. Mais ça, on n'a pas confiance dans notre culture. Because we think anger is necessary. Parce que nous, on pense que la colère est nécessaire dans ces cas-là. But if you have the view of karma and you actually practice it. Mais si vous avez la vue du karma et que effectivement et vous la mettez en pratique. Of course there's no anger. Bien sûr qu'il n'y a pas de colère alors. Listen to the philosophy of anger. Parce que écoutez ce que dit la philosophie de la colère. Why is this happening to me? I don't deserve it. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive à moi? Je ne le mérite pas. You wouldn't say that if you had the view of karma, would you? Mais si vous aviez la vue du karma, vous ne diriez pas cela. Okay, if you only have the intellectual understanding and you haven't practiced it, of course you'd say it because anger is still there. But even if you do have anger, but you have the view of karma experientially, it is an antidote to it because you don't have to say, because you know why it is happening to you. So you're not asking why is it happening to me. It's logical. Mais bien sûr, et si par exemple vous n'en aviez que la compréhension intellectuelle, mais que vous ne l'aviez pas intégrée, alors à ce moment-là, et vous poseriez encore cette question, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais si vous êtes allé plus loin que la compréhension intellectuelle et que vous l'avez intégrée, à ce moment-là, ben, la question n'a plus de sens. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Parce que vous savez pourquoi est-ce que ça vous arrive, c'est le karma. With no view of karma and with a view of being an innocent victim who didn't ask to get born. Sans la vue du karma et avec cette vue de la victime innocente qui n'a pas demandé à naître, when bad things happen, quand les mauvaises choses surviennent, we get stuck in agonizing, why is this happening to me? That's the way we suffer and we can't get past it. That's why et we go on mad. Se retrouve coincé et dans cette et ressassement sans fin de pourquoi est-ce que cette mauvaise chose m'arrive à moi et on n'arrive pas à s'en sortir. They don't have that. Mais ces jeunes moniales, elles n'avaient pas ça. The view in the bones of their being, just like this innocent victim view is in our being, the view in the bones of their being is the view of cause and effect, the view of karma. That's a given for them. Et la vue est dans l'essence, dans la moelle de leur être, exactement comme nous, eh bien, nous avons cette vue et innée de la victime innocente. Eh bien, elle, la vue innée qu'elles avaient, c'était celle du karma. So every day, their practice was dealing with it, learning to purify it, accepting it. That's and doing. The, I mean, that you give them a key, they would have happily left. But given that they couldn't leave, they were working with it every single day. They were practicing. So they didn't go mad. And they came out of that prison more wise and more compassionate than before. Et donc, chaque jour et de ben, cet emprisonnement et avec tout ce qu'elle subissait, eh bien, elle travaillait sur cette vue du karma pour la renforcer, pour travailler avec, générer la compassion, etc. Et elles sont sorties de prison encore plus sages et compassionnées qu'elles n'y étaient entrées. Bien sûr, si vous leur aviez donné la clé pour sortir, elles l'auraient pris avec bonheur et elles seraient parties. Hein. Et, mais puisque ce n'était pas possible, eh bien, elles étaient... It was the basis of their compassion. Ça a été la base pour elle pour générer de la compassion. And one of them said. Et comme l'a dit une d'entre elles. And of course we had compassion for our torturers. Et bien sûr que nous avions de la compassion pour ceux qui nous torturaient. Because we knew we must have harmed them in the past. Parce que nous savions que nous avions dû leur faire du mal à eux dans le passé. And point, the point, the main point. Et l'idée là, l'idée principale. Because we knew they would suffer in the future. Parce que nous savions qu'ils devraient souffrir dans le futur et à cause de ce mal qu'ils nous infligeaient aujourd'hui. So you cannot have that compassion without understanding karma, and karma is at the junior school for yourself.
Et vous ne pouvez pas avoir cette compassion sans avoir compris le karma. Et le karma, c'est au niveau de l'école primaire. Can't just leap over it. Et vous ne pouvez pas sauter à l'étape suivante sans avoir passé celle-là. You can't just say, oh, it's karma. Vous ne pouvez pas simplement dire, oh, c'est le karma. Without knowing the details. Sans en connaître les détails. That's like saying, oh, it's just botany. Ce serait comme de dire, oh, ben, c'est la botanique. You've got to learn to know how to use those laws of botany by learning them. Then you'll get a garden. Et il vous faut et apprendre comment utiliser ces lois de la botanique afin d'être capable un jour de faire un beau jardin. So by using the law of karma, even just pretty basic, you know, basic understanding. Et donc, utiliser cette loi du karma, et même ne serait-ce qu'avec une compréhension basique, every time you notice that you're human, à chaque fois que vous, et, vous prenez conscience du fait que ben, je suis humain, you bliss out because you realize how hard you must have worked at virtue and non-killing in the context of keeping vows of not killing, as Lama Zopa says, in order just to get the human body. You'd be blissing out every day. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes rempli et de bonheur et vous de félicité de et avoir cette prise de conscience que mais quel travail incroyable j'ai dû faire et dans mes vies passées de ne pas avoir tué dans le contexte de la prise de vœu de ne pas tuer et d'avoir créé ces causes qui m'ont ainsi permis d'avoir cette renaissance humaine aujourd'hui. We just take it for granted. Mais nous, et plutôt que de nous réjouir et d'être remplis de félicité, eh bien, nous prenons simplement ça pour normal, acquis. Second way your karma ripens, second track. Et seconde façon dont le karma mûrit, seconde piste du karma. You notice your mind. Eh bien, vous prenez conscience de votre état d'esprit. Your tendencies. De vos tendances. Every time you're kind and loving and intelligent and generous and forgiving, you go blissed out. Wow, amazing! I must have practiced these before. I better keep practicing. How incredible! À chaque fois que vous êtes bon, aimant, compassionné et sage, etc., eh bien, vous êtes rempli et de vous réjouissez. Vous êtes rempli de félicité en vous disant, oh, mais ça veut dire que j'ai dû les pratiquer et dans le passé toutes ces qualités et je ferais bien de continuer à les pratiquer. Every time you see your anger, your depression, your jealousy, your anxiety, your low self-esteem, your arrogance, you go, oh my God, I must have practiced these in the past. This is really causing me such pain. I'm sick of the suffering and I'm going to try and change. Et à chaque fois que vous remarquez en vous, eh bien, et de la colère, de l'attachement, de la mauvaise estime de soi, de l'arrogance, et, etc., eh bien, vous dites, oh mon Dieu, et j'ai dû pratiquer... Et toutes ces causes dans le passé, c'est pour ça qu'elles sont là aujourd'hui. Et donc, je ferais bien d'arrêter de les pratiquer et pour ne pas les entretenir. This is why I'm suffering. This is why I'm suffering. C'est ça la raison pour laquelle je souffre. This is my suffering right now. This one, the attachment, the anger, the depression, the jealousy. Not the bloody person who did it to me. The thing, it's the state of mind itself is the pain. C'est ça la raison de ma souffrance d'aujourd'hui. Eh bien, c'est cet attachement, cette colère, etc. C'est ça la véritable raison. C'est pas la personne qui est en train de me faire du mal. Et donc, c'est ça la cause de ma souffrance. Et c'est donc, c'est ça que je veux arrêter. C'est pas cet ami du Dharma qui était méchant avec moi. Non. C'est mon propre esprit qui est la cause de ma douleur. I'm sick of this suffering. Je n'en peux plus de cette souffrance. The third way your karma ripens. Et troisième façon dont le karma mûrit. That's the Dharma friend harming you, or your beloved person being kind to you, or whatever it might be, or your experiences similar to the cause. Et ben, all the stuff that happens to you. Et ben, c'est toutes ces mauvaises choses qui vous arrivent à vous, le fait que et votre ami du Dharma et soit méchant avec vous, que votre petit ami vous fasse ceci ou cela, etc. Des expériences similaires à la cause. Whatever happens to you at the hands of others in your daily life. Quoi que ce soit qui vous arrive aux mains des autres et dans votre vie quotidienne. Every time your daughter smiles at you, just once, smiles at you. Et à chaque fois que quelqu'un vous sourit, simplement le fait que quelqu'un vous sourit. It's the fruit of your virtue. C'est le fruit de votre vertu. Every time the food is tasty. Chaque fois que la nourriture a du goût. The fruit of your virtue.
un bon goût, et ben ça c'est le fruit de votre vertu. If you've got enough money to live and have a bed instead of being on the street, that's the fruit of your past virtue, your past generosity and non-stealing. Et chaque fois et que eh bien vous avez un toit, que vous avez un lit pour dormir, que vous n'êtes pas à la rue à dormir, ben ça c'est le fruit de votre vertu du passé, le fait que vous ayez été généreux dans le passé. Just in one day, if you counted the number of good things that happened to you, ordinary, you'd blow your mind. It's telling you how much virtue you must have created in the past, because each of them is a fruit of your past virtue. Et ne serait-ce qu'en considérant une seule journée et toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans une seule journée, mais ça devrait nous faire exploser l'esprit et nous rendre tellement plein de félicité de penser que nous avons dû créer tant de causes et pour que ces bonnes choses nous arrivent aujourd'hui. And what's the learning? Et quelles leçons nous en tirons? Not just, oh, I must have been good in the past. Not just that. Pas simplement se dire « Ah, ben, j'ai dû être bon dans le passé ». Non, pas simplement cela. I like having these good things happen. Est-ce que j'aime bien que ça m'arrive à moi, ce genre de bonnes choses? Yes. Oui. I better keep doing it. Eh bien, je ferais mieux de continuer alors à le faire. Your life is your garden. Votre vie est votre jardin. Whatever's in your garden, you planted it. Quoi que ce soit qui soit dans votre jardin, c'est vous qui l'y avez planté. Every time you got you see a cauliflower or a carrot in the garden, you think, oh, aren't I lucky? I know I've planted it. You don't just eat it up arrogantly. You eat it up and then quickly grow another one because you want a nice garden next year as well. Et chaque fois que vous voyez un beau chou-fleur, une belle carotte dans votre jardin, et à ce moment-là, vous ne contentez pas de le manger avec arrogance et sans penser à rien. Non, vous vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai comme chance de l'avoir planté, d'avoir créé la cause, et vous empressez d'aller en planter d'autres, d'en semer d'autres pour pouvoir en avoir d'autres l'année prochaine. And the same with your weeds in your garden. Et même chose avec les mauvaises herbes qui sont présentes dans votre jardin. You haven't brought a prize too long. Et à chaque fois que votre fille pleure un peu trop longtemps, every time the food isn't what you wanted, à chaque fois que la nourriture qui arrive sur votre assiette n'est pas celle que vous souhaitiez, every time your Dharma friend is mean to you, à chaque fois que votre ami du Dharma est méchant avec vous, that's the weeds. Ben ça, c'est la même chose que les mauvaises herbes. But you don't say, who put weeds in my garden? Mais vous n'allez pas dire, qui a mis des mauvaises herbes dans mon jardin? If you put the veggies there, and you deserve the veggies, and they're your weeds. Of course you deserve them. You put them there. Oh my God, what a fool. I better pull them out, baby, and I better not do them again. That's the learning. It's a grown-up. Et donc, si vous avez eh bien, des bons légumes, eh bien, vous savez quelle est la leçon à en tirer. Ben, vous savez que c'est vous qui les avez plantés, et donc vous voulez en planter plus. Et même chose avec les mauvaises herbes. C'est ça, et d'être quelqu'un de mature, et c'est de tirer cette leçon et de savoir que eh bien, vous ne voulez plus planter de ces mauvaises herbes parce que vous ne voulez plus de ces expériences malheureuses. So the first one is your human birth. Donc, première chose, c'est à propos de cette vie humaine. The fruit of non-killing, practice in the context of keeping the vows of non-killing. Donc, ça, c'est le fruit de ne pas avoir tué et pratiquer et dans le contexte d'avoir pris des vœux de ne pas tuer. Bliss out every day as a result of the non-killing and the virtue you've practiced in the past. Et donc, chaque jour, soyez rempli de félicité, de penser que, et vous avez ce résultat aujourd'hui, du fait d'avoir pratiqué le fait de ne pas tuer dans le cadre de la prise de vœux dans le passé. What's the action point? Donc, et là, l'action qui doit s'en suivre, la décision d'action, oh, aren't I lucky? C'est pas simplement de se dire, oh, qu'est-ce que je suis chanceux. No. Non. Do I like being a human? Is it better than being a dog or an ant or something else? Et est-ce que j'aime être un être humain? Est-ce que c'est effectivement mieux que d'être un chien ou une fourmi? What's the cause? Eh bien, quelle en était la cause? Non-killing in the context of vows. Ne pas avoir tué et dans le contexte de la prise de vœux. Action. L'action. Apprendre maintenant. Keep doing it. Keep doing more. Continuez à le faire et faisons-en encore plus. Second track of karma. Seconde piste du karma maintenant. The tendencies. Les tendances. The rubbish ones, they're causing me suffering. Do I like this? No, stop doing them.
Eh bien, stop thinking them. Try to change them, purify them, go against them, argue with them. That's practice. Les tendances et merdiques, eh bien, et celles qui sont la cause et de mes expériences malheureuses, eh bien, arrêtons de les pratiquer, arrêtons de les faire, débattons avec elles, débarrassons-nous d'elles. Your virtues in your mind? Les vertus dans notre esprit, dans mon esprit. Blitz out at your practice that you've got these even arising even once. What amazing thing you must have practiced so hard in the past. Even access, even a moment of kindness, a moment of intelligence. Wow. Keep doing it. That's the action point. Et donc, soyez remplis de félicité et de vous rendre compte qu'il y a ne serait-ce qu'un instant de bonté, qu'un instant de sagesse, d'intelligence dans votre, qui s'élève dans votre esprit. Hein. Parce que ça veut dire que vous avez dû créer les causes pour cela dans le passé. Et quelle est l'action que vous allez décider de prendre? Eh bien, c'est d'en semer encore plus, de continuer à pratiquer cela. Third track of karma. Troisième piste du karma. How you're seen and treated by others. Et la façon dont vous êtes vu et traité par les autres. Experiences similar to the cause. Les expériences similaires à la cause. People are mean to you. Les gens qui sont méchants avec vous. Oh oh, must have done that before. Oh oh, j'ai dû faire ça dans le passé. Do I like it? Est-ce que j'aime que ça m'arrive? No. Non. Action. Do I like it? Action. Do I like it? Est-ce que j'aime? No, we're going behind. Do I like it? Est-ce que j'aime? Non. Non. Action. Action. Stop doing it. Arrêtez de le faire. Because I don't want it in the future. Parce que je ne veux pas de ces choses dans le futur. Every time someone's nice to you, kind to you, all the good things that happen to you. À chaque fois que quelqu'un est bon avec vous, toutes les bonnes choses qui vous arrivent à vous. Fruit of actions like that done by you to them, but karma's personal. Ça, c'est le fruit d'actions similaires que vous, vous avez fait à d'autres. Le karma est à ces mêmes personnes, en fait, parce que le karma est très personnel. Action. Action. Keep doing it. Continuez à le faire. Environmental result. Et maintenant, et quant à la piste environnementale. The environment is pleasing, the sounds are nice, the food is delicious. L'environnement est agréable, les sons sont plaisants, la nourriture est délicieuse. Good health. Vous avez une bonne santé. The fruit of your virtue. Ben, tout ça, c'est le fruit de votre vertu. Do you like that? Est-ce que vous aimez ça? Yes. Oui. Keep doing it. Continuez à le faire. And when the bad things happen, you get sick, you get aches and pains. Et quand les mauvaises choses vous arrivent, vous tombez malade, vous avez des douleurs. The cause of that? La cause de cela? You know, past killing. Eh ben, vos actions de tuer dans le passé. Do I like that? Est-ce que j'aime ça? No. Non. Stop causing it for the future. Eh bien, arrêtez de créer ces causes pour préparer le futur. No, but our life is our garden. Et sachant que notre vie est notre jardin. What's there now is what we put into it. Ce qui est présent dans notre vie aujourd'hui, c'est ce que nous y avons semé. So we assess what is happiness and what is suffering. Et donc, eh bien, on peut en déduire ce qu'est la cause du bonheur et ce qu'est la cause de la souffrance. And know we want another nice garden in the future. Et sachant que nous voulons de nouveau avoir un beau jardin dans le futur. We have to learn even the basics of Buddha's botany, don't we? It's just common sense. Eh bien, il nous faut déjà apprendre ne serait-ce que les bases de la botanique bouddhiste. C'est assez évident. This is fundamental Buddhist practice. To even start looking at your mind and doing shamatha and compassion, you've got no basis, no foundation. Ça, c'est la pratique fondamentale bouddhiste. Et parce que penser qu'on pourrait directement sauter à shamatha, la compassion, sans avoir cette base, et ça, c'est vraiment la base. C'est tout. C'est tout. That's all. Anything else, anybody? Something to say? Any notes in the chat? Quoi que ce soit, il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat? There was some question in the chat. Good. One from Ken was, is good, Ken. It... Ken? Yes, Ken, good. Is it possible or likely we could be reincarnated in as an extraterrestrial beings? We first have to establish... Okay, sorry.
Est-ce que c'est possible qu'on se réincarne et en tant qu'extraterrestre? The Buddha's got a particular view of how these things are, Ken, so you know it might be interesting for you to look into this. And they don't have a term in Buddhism called extraterrestrial beings, but surely if there are such beings that do exist, then of course we can be reincarnated as them, there's no question. But we have to find out, don't we, if they exist or not. Bon, la vue bouddhiste par rapport à ça, et il n'y a pas de, en fait, dans les enseignements bouddhistes, il n'est pas fait mention d'extraterrestres. Et mais donc ça, c'est à nous de découvrir si effectivement les extraterrestres existent ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on en croit les enseignements bouddhistes, si des extraterrestres existent effectivement, ben, il est certain qu'à ce moment-là, on puisse nous réincarner en extraterrestres. Any more than Alex? D'autres questions? Voilà. Yeah, there was Kat. She said, if it's a sentient being, that if. What? Sorry. She wants clarification about the number of beings on the Earth. She thought or she read somewhere that there is a set amount of sentient beings in the universe, the same yes, number. Of course there are. Yeah, absolutely, Kat, because, you know, Buddha would say that there are trillions and trillions and trillions of sentient beings. Mind possesses is the English term from the Donc, la question, c'est à propos du nombre d'êtres sur cette Terre et puis du nombre d'êtres, en fait, dans tout l'univers ou tous les univers. Et Kat avait entendu dire que dans le bouddhisme, on dirait qu'il y a un nombre donné d'êtres et dans l'univers. Et donc, la réponse, c'est que, et bien sûr, que, et étant donné qu'il y a des trillions et des trillions d'êtres dotés de conscience, c'est le terme qu'on utilise dans le bouddhisme, d'êtres de possesseurs de conscience. Humans, for example, are a small percentage. Et donc, il est dit dans les enseignements bouddhistes et que les humains et ne représentent qu'un petit pourcentage de tous ces êtres. Given that the law of cause and effect applies to everything, et puisque la loi de cause et d'effet s'applique à tout, there can't be a first moment. Il ne peut pas y avoir de premier instant. I mean, like a big bang first moment of universes or beings, you know, they have so minds and matter are beginningless. Et il ne pourrait pas y avoir de premier instant comme un big bang qui serait le premier instant et tous les êtres, eh bien, naîtraient de ce premier instant également. Non, selon le bouddhisme, et la conscience et la matière ne peuvent pas avoir de premier instant. And minds are also endless. Et donc, les consciences sont également sans fin. So there are never any beings coming into existence or going out of existence. Et, sorry, what was that? There are never any beings coming into existence or going out of existence. Et donc, il n'y a jamais d'être qui viennent à exister et ou qui arrêtent d'exister. Any more questions, Alex? Quelqu'un d'autre? Yes, from Nathalie. Je suis une personne handicapée et je souhaite pratiquer le dharma pour arriver à la non-souffrance. But so Natalie is asking, I'm a handicapped person and I wish to practice Dharma to end my suffering. Mais mes souffrances physiques et ma maladie m'empêchent de pratiquer. Que puis-je faire pour que ça ne soit plus un obstacle? Et arrêter ce karma négatif sans fin. But my physical sufferings prevent me from practicing. So what can I do to stop this endless... Natalie, darling, it's hard for me to answer that question because I don't know all the details. So, sweetheart, I can't answer that question, but if you have a mind, and we've all got some kind of suffering, and I hear that you must have some suffering, I completely accept that. But if you have a mind, and clearly you do, you're sitting here talking and you've asked a question, the mind is what practices, sweetheart, the mind. You can think, you can study, you can meditate. It might be more difficult. I mean, some of my friends are in prison. They mightn't be handicapped, but they're certainly handicapped living in a prison in a disgusting little cell 24 hours a day with nothing else. That's a handicap. We've all got our own kind of handicaps, haven't we? Some of us have worse, some of us has better. But it's possible, absolutely, according to our capability, to be able to practice. So it's very much up to you, sweetheart, but I can't answer more than that. If you'd like to be in, listen, anyway, that's a long answer.
Bon, c'est une longue réponse, mais c'est difficile pour moi, dit la Vénérable Robina, de répondre sans connaître les détails et quant au type de handicap, etc. Mais une chose est sûre, c'est que si tu peux poser cette question, et donc ça veut dire que et tu as un esprit qui est capable d'entendre, d'écouter les enseignements, etc. Et donc et cet esprit eh bien, est capable d'étudier, de contempler, de méditer dans une certaine mesure. Mais on a tous des handicaps, donc certains ont des conditions plus ou moins bonnes ou mauvaises. Moi, je peux parler de mes amis qui sont en prison et qui, eux, ils ont un handicap lié à l'environnement, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent continuer, puisqu'ils ont un esprit, à pratiquer, etc. Et donc c'est tout ce que je peux répondre, en fait. Hein. There's so many things we can do, whether we're near a Dharma center these days. There's so much on the internet these days. There's books available. There's so many things, sweetheart, you know. So you just follow your own track, check things out, be very clear, you know, connect with centers, do some work and see where you go with it all. Et donc, il y a tant de choses qui sont possibles de nos jours, que ce soit et dans des centres du Dharma ou sur Internet. Et donc, essaye de trouver, de suivre ton chemin, connecte avec un ou des centres, etc. Et ainsi, tu peux avancer, ma chérie. Yes. So there's some raised hands, you said, Alexis. Il y a des mains qui sont levées. I can't see you. Yes, there is Eric who wants to speak. Erica, where are you going? Where's Erica? Eric. Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous ce soir. Bon, ma question porte effectivement sur la causalité, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, ça m'est apparu comme étant un dogme qu'il fallait accepter, mais ce n'était pas démontrable. Bon, je me suis aperçu avec le temps qu'en observant mon esprit, en observant les circonstances, que ça avait sa raison d'être, que les choses se mettaient en place et qu'effectivement je pouvais m'appuyer sur cette idée de la causalité. Mon problème est que quand je me trouve en face de quelqu'un, quiconque qui est, je veux dire, une personne qui ne s'intéresse pas forcément au bouddhisme ou qui n'a pas eu la possibilité d'avoir une ouverture vers ce genre de réflexion, comment lui répondre quand elle dit « je souffre, j'ai tel ou tel problème et je ne comprends pas pourquoi ». On se sent assez démuni à ce moment-là. Peut-être y a-t-il une piste pour… Robina, peut-être tu pourrais nous indiquer une piste de comportement dans un cas comme celui-là. So the question is, Eric, when he started in Buddhism, so he heard about cause and effect. First, it sounded a lot like dogma, but then he tried to understand, contemplate, and it kind of made more sense because he could see in himself or kind of prove to himself, like seeing his mind and different things. So for him, that makes sense. But then now when he meets people who are not Buddhist and who don't know about Buddhism and they are experiencing some kind of suffering, and it feels very difficult for Eric to find a way to help them because they won't hear this. So would they be aware? Would we have a way to behave so that we could help them in some way? This is the point, Eric. It's such a good point, you know. I can't speak also. What happened? This is a really good point, Eric, because the thing is, this happens to be the Buddha's view. And as you said, we take it, we think about it, we listen to it, we try to apply it. But it's really intense. I mean, we can see it as a very, it's not an idea the world is comfortable with. It's completely, it's not like the Christian view or the Muslim, and it's certainly not like the materialist. It's another view altogether. And even most Buddhists don't think about it. So, you know, it's a pretty tough one, first of all. Donc, première chose, et comme tu l'as dit, effectivement, si nous, et nous décidons d'être bouddhistes et que et nous, comme tu l'as dit, nous essayons d'appliquer cette vue à notre vie, et etc., qu'elle commence à prendre du sens, etc.
Donc ça, c'est une chose, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une vue qui est vraiment intense. Hein, parce que si on la compare aux autres vues présentes dans le monde, comme la vue musulmane ou la vue chrétienne, ou même la vue dans un autre sens matérialiste, hein, eh ben, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Et même en tant que bouddhiste, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se disent bouddhistes, mais pour qui, en fait, ça n'a pas grand sens, cette vue du karma. So therefore, you know, to try and explain it to somebody isn't necessarily even beneficial. Et donc, il s'ensuit que le simple fait même de vouloir l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément bénéfique. Sometimes in that case, the best we can do is be loving and compassionate and kind and supportive. All we can do sometimes, if people don't even want advice, you can't even give advice. You just love them and support them and make them feel like at least, you know, you're a friend, because we all need that and we're feeling bad. There's sometimes very little we can do except that to help people. Eric. Et parfois, il y a très peu qu'on puisse faire pour aider les autres, en fait. Et parfois, la seule chose qu'on peut faire, eh bien, c'est d'être bon et d'être aimant et d'être compassionné et d'être là comme soutien pour les gens. Parce que parfois, et dans certains cas, ils ne veulent même pas de nos conseils. Ils ne sont même pas intéressés par nos conseils. Donc, tout ce que nous pouvons faire, alors... Ça va ? It's the best we can do sometimes. Et donc, le mieux qu'on puisse faire, et dans certains cas, parfois, eh bien, c'est simplement d'être là et d'être en soutien et d'être aimant et bon, etc. And also, the thing is, I think, try not to give them lectures and try not to think it's my job to make all their suffering go away. We can't do that. So just be their friend. And that already we know is pretty helpful. We know what that feels like to have a loving friend. Et donc, autre chose qu'on peut dire, il n'est pas question de leur faire des discours ou de leur expliquer ceci ou cela ou les causes de leur souffrance. Non, tout ce que nous pouvons faire alors, et c'est ça qui va être et pouvoir être bénéfique, eh ben, c'est simplement d'être un ami aimant. Et nous savons tous ce que c'est que d'avoir un ami aimant qui nous soutient. Tu comprends? Ok, vous êtes tout à fait, ouais. Yes. Oui. Je te remercie, Robin. Yes. Okay. Thank you. Who else is there? Lars wanted to ask. Huh? Sorry. Lars wanted to ask a question. But you have, Lars. Okay, good. Lars, talk to me. Yeah. It seems to me that actually the real workshop is realizing the first noble truth and karma, rather than realizing emptiness. That's your point. Absolutely. First one. Absolutely, it's got to come first. Et il me semble que le véritable atelier, donc, c'est de réaliser cette loi du karma avant même de pouvoir parler, s'intéresser à la vacuité, etc. Oui, ça vient d'abord, hein, ça vient en premier. I mean, if we've got so much merit from past life and we can realize emptiness, we assume already we understand karma because that's got to come first. Correct. Et donc, si on a tant de mérites et qui issus de nos vies passées et qui puissent nous permettre de comprendre et de réaliser la vacuité, bon, d'accord, mais à ce moment-là, eh ben, probablement, ça veut dire que nous avons déjà et la compréhension et la vue du karma, mais qui doit de toute façon venir d'abord. Because the point is karma, which is the law of cause and effect, is a perfect example of the first level of dependent arising, which is the logic to prove emptiness. Parce que l'idée, c'est que le karma et donc la loi de cause et effet, eh bien, c'est le premier niveau et qui va nous permettre de comprendre et de réaliser la production en dépendance. Donc, c'est le premier niveau de production en dépendance, cette loi du karma. You understand? Yeah, absolutely. Yeah. Okay. Also, a cultural. Is it a cultural thing? Because I grew up in the West. I didn't grow up. Can you start again, please, Lars? I can't hear you. Can you start again? Is it a cultural thing? Because I grew up in the West, I wasn't born in India with the reincarnation understanding. I grew up in the West, being a Christian country. Do you think it's also a cultural thing that we don't realize the karma as a thing? I don't understand your point, Lars. Right. Asking it a different way. I grew up in a Christian country. You're not making most of any us sense. In this room, I'd say most of us in this room here have come from a materialist or a Christian, maybe a Muslim background. Donc, voilà, je dirais que la plupart d'entre nous dans cette pièce, et nous venons soit d'un contexte matérialiste, soit d'un chrétien.
Yeah. So therefore the question. Would it be question. Yeah. Mm-hmm. Would it be easier if I was born in Asia with a view on more on karma as well? Because I understand. I don't think it would be easier at all if you're born in Asia. I think only if you're really born in Tibet, where they had a deep understanding of it, not just a belief in it. I think then definitely different. You can see the way that those young Tibetan ones responded. It's very rare, even among most Asians and Indians now, don't talk about karma. It's just a superstition, you know? All right. Et donc la question c'est, est-ce que ça aurait été plus simple et si j'étais né et en Orient et en Asie plutôt que d'être né en Occident, est-ce que alors et ça aurait été plus dans la culture et donc ça aurait été plus simple de comprendre le karma? Et la réponse, ben, c'est que la Vénérable Robina a dit peut-être qu'au Tibet, parce qu'au Tibet, il y avait véritablement une compréhension, il n'y avait pas simplement la croyance dans le karma, mais dans beaucoup d'autres pays d'Asie, c'est plutôt une croyance ou presque une superstition, on pourrait dire. Donc à ce moment-là, ça ne va pas aider. Hein. Mm. Jeremy had his hand up. Yes, Jeremy. Thank you. Okay, talk to me. Jeremy. Hi, Vénérable. Hi, darling. Yes, I want to make sure if my understanding is correct. The truth of karma, it answers the question why evil people prosper. So when we see somebody that is evil doing evil in the world now, but he has money and riches and everything, is because of his past good karma ripening now, is that correct? Yes, and to be specific about it, Jeremy, when we understand these four tracks of karma, so for example, one track, like I said, is the tendencies in your mind. So when you say an evil person, you mean a person doing a lot of harm to others. That's the second track of karma. They're born with certain negative tendencies to harm, to lie, to steal, for example. That's one track of karma. Now, the other track of karma is called experiences. So clearly, that's a different discussion. That means that person who is very rich, who people respect, that's due to their past virtue of non-stealing. It's their past virtue of generosity, and it's that past virtue of humility, for example, that is now causing them to experience good things. So what's in your mind is one track of karma, and how you're seen and treated by others is another track of karma. And we can see this is very easy in life. Some people, it's the other way around, have very good tendencies, but very bad things happen to them. Exactly. But we have to be more specific about it and understand these different tracks of karma. This is then it explains it to us. Exactly, Jeremy. Donc la question c'était à propos de ces personnes et qu'on pourrait dire être des personnes mauvaises ou même avec des tendances, des traits de personnalité qui sont de manière évidente mauvais, mais qui sont et prospères, riches et qui ont du succès, etc. Et donc, la réponse, c'est qu'il faut être très spécifique, en fait. Et parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, on en a parlé tout à l'heure, c'est les quatre façons dont le karma mûrit. Donc, c'est comme s'il y a différentes pistes du karma. Et donc, là, dans la question que tu viens de poser, on pourra pouvoir considérer les tendances de la personne. Donc, c'est ce qui est présent dans son esprit. Et ça, c'est lié aux graines que la personne aura semées dans son esprit, dans une vie passée, qui vont faire qu'elle a ces tendances, entre guillemets, mauvaises, non vertueuses, dans cette vie. Maintenant, le fait que cette personne soit riche, respectée par les autres, et tout ce succès, ça, c'est lié au fait que dans des vies passées, la cause dans une... So the first one is dedication. We've been here for a couple of hours, and as many moments as there have been, think like this, is as many seeds we've planted that be delighted with that. And so we think anything we've learned from this, and we want to apply, get a bit clear about how marvelous uses as tools to help us develop our amazing potential, never give up, so we can be a benefit of others. And the second little prayer, bodhicitta, may it grow and grow in the hearts of all. Et donc, on va pour terminer et chanter deux petites prières. Donc, la première petite prière,
et va exprimer ce souhait et que tous ces moments et que nous avons eu de contemplation, de compréhension, etc., et que toutes ces graines sont autant de graines que nous avons semées dans notre esprit, donc que ces graines puissent continuer à grandir et grandir, et afin que nous puissions atteindre notre potentiel le plus élevé pour pouvoir être bénéfiques aux autres. Et puis la deuxième prière va exprimer ce souhait et que bodhicitta, donc ce souhait d'atteindre l'éveil pour le et bien des autres et de tous les êtres, et bien puisse grandir encore et encore dans le cœur de tous. Drowa chikang malupa deisala kupasho jang chob sem chogrin poche ma kie panam ke gyuchik ke panyam pa me payang Gong ne gong du pa sho. Merci beaucoup. Merci. Merci, Vénérable Rubina. Merci à toutes et tous. Donc, et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit. And we'll meet again, hopefully. Yes. Next Thursday, same place, same time. And in the meanwhile, have a great week, everybody. And thank you so much, Venerable Rubina. And yes. If you want, et donc, même rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit, et continuez les enseignements. À bientôt. Okay, darlings. Bonjour, bonsoir. Next time, prochaine. Bye. I'm leaving now. That's it.